Juliette, je suis Mona. Mais comment t'es arrivée ici? Je pensais qu'ici c'était mieux qu'ailleurs. Je suis venue avec l'espoir de devenir une artiste et peut-être qu'avec travail ça va se faire. Page 27, on commence la nuit là, direct, allez. Allez, dépêche-toi, c'est pas grave, vas-y, dépêche-toi. Alors, on commence la nuit là, page 27. Eh, on m'a pas prévenu qu'il y avait un petit nouveau parmi nous, comment tu t'appelles? Jean-Christophe, monsieur. Pardon? Ou si vous préférez, JC, comme Jésus-Christ. C'est une blague. Histoire du peuple juif. C'est un rapport avec les contes de fées? Oui, c'est pas mal, Constance. C'est un rapport avec les contes de fées, c'est un rapport avec les fables. Sauf que là, on raconte une histoire, mais pour dire une chose qui a vraiment existé. C'est un mythe. Oui, Camille? Mon père, il dit que Jésus, c'est un mythe. Ton père dit que Jésus, c'est un mythe? Mais non. Jésus de Galilée a vraiment existé. C'est un juif de Nazareth. Monsieur, vous êtes sûr? Jésus était juif? Ben oui, Jésus était juif. Oh putain. Jésus était juif. Excusez-moi de vous déranger. Ouais. C'est votre fille? Non, je peux dormir ici? Vous pouvez m'héberger? Oui. Au revoir. Bonne soirée. Il tourne vraiment pas rond, celui-là. Putain de vie, hein? On a tous un sac à dos avec des peines, des joies, des secrets. On joue tous un scénario, finalement. Eh, on est tous des acteurs. C'est quoi? On va boire à cette putain de vie. Tiens, bois. Ah. Putain de vie, merde!